C'est différent dans le sens où je peux me projeter un peu plus sur toute la saison. Donc ça c'est bien. Après je dirais pas que j'avais un poids à chaque match, mais c'est sûr que on est plus stable, on pense pas à qu'est-ce qui va se passer dans 2-3 semaines. Donc ça forcément c'est agréable et je suis très content de pouvoir faire la saison ici. Comme je l'ai dit auparavant, là on commence à jouer un peu plus ensemble aussi avec KD. Donc on trouve bien les automatismes. Je pense que c'est vraiment pas mal. Après, il y a encore quelques ajustements tactico-techniques, on va dire, à voir. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Moi, je me plais, je me fais plaisir dans cette équipe avec beaucoup de shooters. Des bigs qui roulent et qui attrapent bien les ballons. Et voilà, défensivement, j'essaye d'amener l'agressivité qu'on connaît. Donc je pense que ça se passe plutôt bien. Je pense que maintenant, on a cet aspect défensif peut-être qui est un peu plus agressif. Après, je n'avais pas vu tous les matchs avant que je vienne, donc je ne me permettrai pas de dire que j'ai changé la donne de l'équipe. Après, c'est vrai que quand on a un meneur qui met de l'agressivité, généralement, on est le premier rempart, donc les autres ils vont aussi faire les efforts en conséquence. Et de toute façon, on sait que si on va aller loin dans le championnat et remplir nos objectifs, ça passera forcément par la défense. Voilà, le talent offensif, je pense qu'on l'a et qu'il n'y aura pas de soucis pour marquer des points. Maintenant, il faut que défensivement, on soit consistant et qu'on réponde présent. Pour nous, je pense que ce sera vraiment contrôler l'enjeu de transition, contrôler aussi les scoreurs, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont beaucoup de talent. Et les faire jouer demi-terrain pour nous laisser plus de chances de gagner. Voilà, on ne veut pas perdre deux fois de suite à domicile. Alors voilà, le but c'est jamais de perdre, mais encore plus quand on a déjà perdu une fois. Voilà, on sait qu'il y aura du monde, donc on va faire au mieux pour donner un beau spectacle avec une victoire, on espère.